Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on est reparti sur un épisode de Planète Nomade et dans cet épisode je vais tenter de faire des choses un petit peu plus folles en tout cas si on a le temps. La première chose que je veux faire c'est peut-être combiner le véhicule et une base, donc fixe pour faire une base qui peut se déplacer. Ça m'éviterait, vous voyez, de devoir revenir ici à chaque fois que j'ai les sacs pleins ou que j'ai visité un point d'intérêt. Comme ça, en permanence, j'ai dans la base des coffres, un générateur d'énergie et tout ce qu'il me faut. Le problème, c'est que pour ça, il me faut deux pièces. Alors, je les ai déjà débloquées. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il suffisait de faire le treuil hein, en plus de par rapport à ce que j'avais fait dans l'épisode précédent. Donc, le treuil m'a débloqué la grosse roue et les larges suspensions. Le problème, c'est qu'il me faut un objet qui demande une ressource que je n'ai pas. Il me faut des châssis renforcés qui demandent de l'aluminium. Je n'en ai pas encore trouvé dans cette partie. Je sais qu'on devrait probablement les trouver vers les pôles ou alors un petit peu sur le chemin. Alors, en général, il y en a dans les jungles et peut-être dans les zones enneigées. Je crois peut-être même dans les zones désertiques. Donc, on va y faire un tour. Alors, on va quand même voir ce qu'il se passe là-bas, à l'épave alien et également à l'épave d'origine humaine. Donc, en attendant, vous voyez que j'ai mis un grand paquet de batteries, parce que les batteries s'épuisent très vite. Donc là, elles sont en train toutes de recharger. J'ai dû mettre un deuxième générateur bio. D'ailleurs, les deux étaient utilisés à fond quand il y avait ces batteries-là qui n'étaient pas encore chargées. Hein. Donc, ce qui est cool, c'est que chaque batterie se charge indépendamment et que le générateur envoie tout ce qu'il faut pour chacune des batteries, du moment qu'il a de la marge. J'ai également mis ça ici pour pouvoir faire un petit peu de fruits. La raison est que je voulais pas mourir de faim tout simplement hein. Donc là actuellement je devrais avoir, ouais, j'ai 4 capsules nutritionnelles. Ah et bah tiens, on commence à avoir un petit peu soif, donc on va boire, c'est parfait. Et là j'en suis à 83-85% en fonction de la batterie, même 100% pour certaines. Je pense qu'on peut y aller, on va y aller. Ok, alors le poids était le véhicule est devenu vraiment trop lourd. J'ai dû passer les suspensions, hop, si tu me laisses, voilà, en suspension normale. Alors, je les ai pas encore mis en suspension dure, hein. Je les ai mis en normale, mais j'ai senti que le véhicule, sinon, aurait eu un peu de mal. Ok, bon, bah, j'espère que j'aurai assez pour ce que je veux faire. Et, allez, on va aller au sud. Ah oui, non, on va aller déjà là-bas, à l'ouest, là où il y a la capsule alien. Avec un peu de chance, j'aurai peut-être l'objet directement, plutôt que d'avoir l'aluminium, j'aurai peut-être juste l'objet qu'il me faut. Alors, qu'est-ce qui m'attend là? Alors, on a déjà un rocher bizarre, s'il te plaît, et de la lutte dedans. ouais, on va tester, je crois pas qu'il y ait de la lutte dedans, mais bon. Hop, il y a un ennemi dans le coin. Fer, carbone, silicium, ok. Et, ok, on a utilisé 3%. Ouf, 3%. Ça c'était quoi? C'est pas un alien ça, non, c'est juste un ennemi du coin. Est-ce que je me fais attaquer? Alors, je me fais pas attaquer quand je suis dedans. Je vais sortir. On a quoi? On a du xaénite, on a du titanium. Journal de coordonnées extraterrestres. Données particulièrement traduites portant sur la connaissance d'une antique civilisation habitant Nininia. Ok, alors ça fonctionne comment ça? C'est quoi ce truc encore? On va te mettre là. Et toi, on va te mettre là et on va voir. Donc, si j'utilise le 1. Je sais pas si je vais le garder ça. Moi je quitte. Voilà. Et le cas. Ok, ça va dans mon datapad. Ok. Journal de coordonnées. Donc si j'ouvre la map, ça a dû me mettre ça. Monument Redeemer. Ok. Alors. Est-ce que je peux te miner? Non. Ça me redonne rien. Ça c'est quoi ça? Lampe. Il y a un alien dedans? Je peux pas le récupérer. Zut! Carbone, silicium, c'est pas ce que je cherche. Alors on continue. Donc là on a vu les ruines aliens. J'en sais combien? 5% d'utilisé. Maintenant on va vers des ruines humaines qui sont juste au sud. Donc dans la direction, je regarde. Bah tiens, c'est à 870 mètres. Alors, je m'approche des paves humaines. Voyons voir ce qui nous attend.
c'est ça. Alors, ouh, il y a un petit coffre. Pas d'ennemis dans le coin. Datapad. Ok. Alors, on va démonter. Et on va démonter également pour les pièces rares. Aller par terre, au moins ça allait dans mes sacs pour pouvoir les poser. Donc merci pour la pour ça. Je vais te mettre alors titanium, zainite, silicium. Tadadada. Là on a des plaques de blindage MK12. Purée. Alors ça on va le lire. Regardons. Alors attention, système malfonction, stabilisateur moteur en service. Nous allons trop vite, nous risquons de disloquer. Ok. Ouh, regardez, j'ai enfin trouvé de l'alu. Je suis enfin à un endroit où il y a de l'aluminium. Donc si jamais vous en cherchez, c'est dans ce genre d'endroit. J'ai de l'uranium. Je vais pas me priver. Donc on va faire le tour. On va dépouiller la zone. Il y a un peu de neige. Et dès que je suis rentré dans cette zone-là, premier filon que j'ai fouillé, de l'alu. Alors on est toujours en route vers également la zone là où il y a l'alien. Mais là, je veux tellement d'alu que je puisse construire tout ce que je veux. Même de l'argent. Je vais en avoir besoin éventuellement. Eh bien, je peux vous dire que je l'ai dépouillé la colline là-bas. Il y avait un nombre incroyable de filons de minerais. J'ai jamais vu autant de filons réunis à un endroit. Donc, je suis revenu avec plein de bonnes choses. Du coup, on va aller faire dodo. Et je vais faire ce que vous m'avez dit. D'ailleurs, vous m'avez bien dit qu'on peut effectivement appuyer espace ici pour dormir. Donc, très bonne technique. Ça nous permet d'économiser des sacs de couchage. Donc ça c'est génial, et d'ailleurs on peut même sortir, ça nous dit que ça va passer de 8 heures le temps, mais en fait quand vous dormez là, vous voyez le ciel qui se défile, et quand vous êtes satisfait, hein, vous pouvez sortir de la capsule, et bah, vous n'avez pas besoin de dormir donc les 8 heures. Alors, du coup, bah, on a une plateforme, une base roulante à faire, donc du coup où est-ce que je vais me poser? Alors. Là, un petit peu embêtant, ouais, j'ai creusé un trou sans faire exprès et on peut pas le reboucher, ça c'est vraiment dommage. Je me dis, je vais la poser ici. Alors, j'ai pas besoin de la mettre à côté des générateurs bio vu que je vais mettre un générateur sur la base elle-même. Ok, alors, on est parti. Toi, on va te poser. Alors, est-ce que je peux. Oh, ok, j'ai plus rien dans. Il me faut des choses. Je n'ai plus rien du tout vu que j'ai dû me débarrasser de certains trucs. Pour tout ça, regardez-vous. non. Tac. On va te mettre là. On va être. Ah, un seul, ok. Ou on va te mettre là-bas. On te récupère. Alors, ça. On va quand même te prendre. C'est de l'alu. On va te mettre dans mes sacs là-bas. Alors, j'ai vraiment besoin de coffres. Je suis vraiment sec côté place. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais virer maintenant? On va virer. Alors, l'alu, on peut te mettre là-dedans. Est-ce que t'as de la place? Toi, on va te prendre. On va mettre l'alu. Alors, j'ai chopé beaucoup d'or également. J'ai chopé beaucoup de cobalt. J'ai chopé de l'uranium. J'en ai un gros paquet. Ok. Tout est bon. Alors, toi, on va en avoir besoin. Qu'est-ce que je vais poser? Un peu plus d'alu. Ok. On va mettre un autre sac, un autre coffre temporairement parce que là je. Où est-ce que je vais te poser? Est-ce que je peux te poser par-dessus? Ouais, je peux te poser par-dessus l'autre. Parfait. Voilà, et donc on va mettre ça. Toutes ces choses bien rares. Ok, je vais lancer les choses ici. Je vais avoir. Ah bah j'ai 50 châssis de base, je vais avoir besoin de toi. Toi, j'en aurai besoin d'un paquet. Alors je vais avoir besoin de. Carbone, non. Je vais en avoir pas loin. Carbone. Voilà, comme ça tu vas voir ce dont t'as besoin. Alors, on m'avait dit que on peut séparer avec mage.
Alt, clic droit. Chez moi, ça ne fonctionne pas. Vous avez été deux à me l'avoir confirmé dans les commentaires, donc je sais que c'est bon. C'est juste que je ne sais pas pourquoi chez moi ça ne fonctionne pas. J'essaye Alt, clic droit. J'essaye Maj, clic droit. Et ça ne fonctionne pas. J'essaye le clic gauche également. Il y a quelque chose chez moi qui fait que je ne peux pas séparer les stacks. Et ça, c'est vraiment, vraiment embêtant. Mais bon. Alors, du coup, on passe en mode construction. On sort tout à le clic. Ou je sais pas trop quoi là. Super. Hop, on va te poser là. Ah, maintenant il me faut des pièces mécaniques. est-ce que j'en ai des pièces mécaniques là? Je vais peut-être devoir les faire faire de l'autre côté. Ah, j'en ai 26, mais bon, on va quand même aller là-bas. Et on va dire de faire des pièces mécaniques. Il me faut du fer et du carbone. Ah, je peux pas faire les pièces mécaniques là. Vite. Quand même te mettre ça là. Donc tu vas nous faire des supports, tu vas nous faire ça, on va en avoir besoin. On va avoir besoin de silicium, on va avoir besoin de toi. Ok, arrive. Est-ce que j'ai du silicium là? Ouais. Purée, j'ai plein de ressources. Après ces deux sorties, je suis riche. Bon, c'est parti. Alors, côté nutrition, bon, je peux attendre un peu avant de manger. Et toi? Attends, je vais prendre. Et on a. Ouais, on a ça. Ok. Ah, et je te dis de refaire. Okay. Ça, ça va faire ça pendant que je travaille. Et du coup. Ça s'est posé. Alors maintenant, la question. Est-ce que normalement je devrais poser pour les véhicules les petits blocs là? Ah, alors, quelque chose de drôle, en explorant, j'ai débloqué ces blocs au coin sans avoir rien construit, ça s'est débloqué tout seul, juste en faisant de l'exploration. Donc moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que je peux mettre le sol des maisons sur ça. Donc c'est parti, hop. Ouh, ça a l'air bon. Alors, on va le faire, on va déjà faire 2 sur 2. Et on va voir... Bah. Ah ouais. Voilà. Donc 2 sur 2. On va déjà faire celui-là et on va voir si ça suffit. Sinon je vais faire 3 sur 3. Je crois que 2 sur 2 c'est un petit peu trop limite. Alors, il faut qu'il soit suffisamment large pour ne pas se renverser. Ah, j'ai plus de batterie, mais tiens, on va faire de la batterie. Et il faut également qu'elle ne soit pas tellement large que je peux pas me balader dans le monde. Alors, c'est les deux prérequis. Alors, on va faire... Ah, il te faut de ça... Ouh, il m'en reste que 4. On va en faire 4. Donc toi, tu vas arrêter. Parce que là-bas, j'ai dit d'en faire, je me rappelle plus. On prend... On prend... Ouais, je lui ai dit d'en faire 18, mais pourquoi est-ce qu'il me met en rouge? Ah, je n'ai pas de composants bio, de biomasse. Alors, est-ce que j'en ai dans mes sacs? Ouais, parfait. Toi, tu continues à recharger? Tu continues à recharger? Ah bah c'est plein, génial. Alors, il me reste celui-là qui n'est pas connecté, et un... on va juste le connecter, lui. À toi. Voilà, je vais pas en faire si je l'ai pas terminé de construire l'autre, mais je vais pas dépenser des ressources sur ça, j'en ai pas vraiment besoin. Vu qu'on va plus servir du petit véhicule là. Alors peut-être je vais le mettre dans ma grosse baraque. Alors je sais pas si j'aurai la place. Si je veux le mettre dedans, il faudra que je fasse. il faudra que je fasse plus de place. Plus de carré. Voilà, 3 sur 3, ça me ferait faire une pièce. Bon. Ok, maintenant ce qu'il me faut, ça serait, alors je l'ai pas là, on va dans le menu construction, les grosses roues, c'est bien la grosse que j'ai choisi, ouais, et la grosse suspension qui va prendre ta place, ok. Donc déjà la suspension, ouh. Ah, châssis renforcé, voilà, c'est là qu'il me faut les choses rares, châssis renforcé, ça va être, devoir être fait. Par toi.
Voilà. Ah, là, ça l'a pas creusé. J'espère que ça n'a pas posé problème. Et voilà. Alors. Boum. Fait. Fait. Et fait. Et là, ça devrait tenir, ça devrait être bon. Je vais peut-être commencer à faire des pièces. Je vais peut-être faire bah, les murs, ouais. Alors, on est parti. Pour les murs, je vais avoir besoin. On va faire des avec des. Ah, la porte, ouais. Fenêtrer, je vais faire des fenêtrés. Une porte. On va faire que les fenêtrés, comme ça, de l'intérieur, on va pouvoir voir à l'extérieur. Donc l'entrée va être là. En attendant, 3, on va te poser. Ah oui, et le coin, ne pas oublier le coin. D'abord mettre les coins pour prévoir le reste. Où est-ce que tu es le coin? Ah, t'es là. T'es là. On n'a plus besoin de toi. Alors. Si je te mets. Ah, il faut faire gaffe, faut bien le mettre. Ici. Eh bien, bien. Alors, avant de finir, maintenant, je vais mettre les fenêtres. On va voir si je les ai bien placées ou si je les ai déplacées. Et la porte. Extreme temperature warning. Parfait! Génial! Ok, alors les températures extrêmes détectées. Bon, on va déjà finaliser ça. Il me manque quoi? Châssis de verre. Ah, il va me falloir beaucoup de châssis de verre, je me rends compte. Voilà, je vais me mettre à côté. Ça, c'est fini. Ça fait un autre boulot. Pas besoin de verre. Ouh. Comment ça a fonctionné pour entrer dedans? Ah. Dommage que je pense pas pouvoir faire d'escalier automatisé. On va regarder ça plus tard. En attendant, mon verre. Continue. Ok. Alors, hop. Construction 3. Je pense qu'on va faire une porte de chaque côté. Comme ça évite les soucis. Ah, je suis content, c'est parfaitement. Ah, c'est génial. Ah, c'est vraiment bien posé. Ouais, il n'y a pas un petit endroit où il y a un espace où j'ai pas assez de place pour mettre ma porte. Non, c'est parfait. Pas besoin de châssis. Alors, est-ce que je peux quand même. Ah, plus d'énergie. On va remettre le plafond également. Ah, châssis de verre. Alors. Je vais rester là et je vais avoir besoin. Je suis étonné de ne plus en avoir. Je suis embêté de voir les faire. Ah non, je vais voir là-bas, on sait jamais. Non, mais tu vas m'en faire également. On en a besoin absolument pour tout, donc c'est parti. Ah, et toi, j'ai ça ici. On va le garder. Et on va le mettre dans un coffre. Et le jeu commence à ramer un peu, il faudra que je voie pour les options. La question c'est comment je vais m'y prendre pour ici parce que j'aimerais bien faire les choses un petit peu différemment parce que c'est là que je vais conduire.
Est-ce que... Ouais, je vais peut-être rallonger un petit peu le devant. J'espère que ça n'a pas trop déséquilibré le véhicule. Mais je pense que je vais rajouter ici. Ben, on va le faire tout de suite. Deux. Ouais. Allez, c'est parti. C'est pas très clair. Si je te mets là. Déjà, est-ce que c'est symétrique, c'est ma question, déjà. Je crois pas que c'est symétrique, non. Je vais devoir... retirer. On va te mettre... Là, ça devrait être symétrique. Ok. Et là, je vais mettre le poste de pilotage. Comment je vais faire? Déjà, je vais fermer. Toujours avec mes fenêtres. Ouh. Marche pas trop bien comme ça en fait. Si. Et on voit. Oups. On va le mettre. Et là c'est peut-être l'endroit où je suis un peu déçu. Regardons, dans les blocs, on a juste vraiment un coin en fait. Hein. On n'en a pas un gros paquet de coins. Je pourrais pas avoir la même chose, mais en inverse. C'est-à-dire que à l'intérieur du coin, c'est l'extérieur pour que je puisse, vous voyez, mettre... C'est bon, comme ça. Du coup, bon, on va faire deux portes, pourquoi pas. Toi, je t'ai mal posé. Ouais, non, ça passe pas du tout. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Vous voyez, je voulais faire autre chose. Alors, peut-être je vais utiliser des blocs standards. Pour ça, on va voir. Ok, bon, en attendant, vu que c'est comme ça, il va quand même falloir que je... mettre une porte là. Toi ici, pour l'accès au cockpit. Ouh, zut. Voilà. Et ici, je vais pouvoir mettre les appareils indispensables. On va peut-être faire le plafond avant. Pour être sûr que... tout fonctionne bien. Alors, on a déjà suffisamment de choses pour le sol. Donc, toi. Il va falloir que je fasse une armurerie également. Hop. Pour améliorer le jetpack. Ok. On recommence. J'attends que ça recharge. Non. Enfin. Ouais, attention, doucement. Voilà. Si je te mets... je peux pas te mettre mieux. C'est vraiment le plafond, ça. Ouais, là, j'aurais bien aimé le mettre là. Ça aurait été mieux comme ça. Mais là, je dois le poser par-dessus. Ce qui fait juste bizarre. Regardez, comme ça, ça dépasse, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Alors, j'ai un peu changé de tactique pour le toit. La raison est que le bloc pour le toit n'est pas adapté. Hein, tout simplement, voilà, j'ai pas pu faire quelque chose de symétrique, ça consomme, ça demandait trop de ressources. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de mettre le toit, j'ai mis le plancher, vu que de toute façon, je vous ai dit que je voulais faire un deuxième étage. Donc c'est plus épais, je crois que c'est plus lourd, mais je pense que ouais, ça me donne un résultat plus beau. Alors maintenant, on va devoir poser des choses dedans. On va mettre déjà pour l'énergie. Ouais, alors on va mettre dans les coins, non, c'est plutôt par là. Ça, alors je pense pas que j'ai débloqué une nouvelle chose pour faire de... c'est quoi ça?
Ouh, ça peut être pas mal ça. Pour plus tard. Ouais, je pense pas que j'ai des nouvelles sources d'énergie. Donc on va y aller avec le générateur bio. Tout on peut te remplacer. Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'autre? Je vais avoir besoin de toi. On va te mettre là. Je vais avoir besoin de coffre. Je l'ai déjà. J'ai pas un coffre plus gros quelque part? Non, pas encore. Ça sera plus tard. On verra. Ça après, c'est quoi ça? Bloc fondation flottant. Ouh! Grands blocs qui vont vous servir à établir les fondations permettant à la construction de vos bâtiments et bases sur l'eau. Aucune capacité de mouvement peut supporter beaucoup de poids. Oh, on peut même faire des bases sur les lacs, vous voyez, ça c'est comme quoi. Bon, alors, ouais, toi, je vais mettre ici. Ok, on va mettre toi là. J'ai ce qu'il me faut. Voilà, maintenant, alors j'ai pas sur moi quoi générer. Alors c'est pas grave. Oh, il commence à faire son. Donc on va faire dodo. Je peux à la rigueur m'éclairer. Mais non, on va faire dodo, comme ça on va être tranquille. Ouh, côté nourriture. Et oh, faudra que je refasse à manger. Good hydration secure. Merde, bon, oh purée, oh petit trou, je crois que je suis resté un petit peu trop longtemps, c'est pas grave. On retourne, après je vais démonter l'endroit là complet pour récupérer les ressources, mais bon, en attendant, attends que j'en ai pas besoin, et ça je sais pas comment je vais pouvoir prendre la véhicule et le mettre dedans, quoi. Ouais, faudra peut-être le rattacher plutôt et le détacher quand j'en ai pas besoin. Est-ce que là, ouh, la pluie tombe dedans, mais je sais pas si je suis impacté par la différence de chaleur. Ok, alors oui. Connecté. Faut pas, il va forcément sortir. Extreme temperature warning. Ouais, juste rentrer dedans suffit apparemment. Extreme temperature warning. Ouais, je peux pas venir jusque là. Ok. je vais devoir en faire un deuxième. De toute façon, je pense pas qu'un aurait suffi, donc bon, on va en mettre deux. On va te déconnecter de là. Et on va mettre le deuxième là. On va le mettre plutôt là. Comme ça, s'il y a des choses ici. Donc 8. C'est pas symétrique. Je sais que ça va faire souffrir certains d'entre vous. Donc hop, voilà. Et allez, il pleut plus dedans. Est-ce que c'est parce que j'ai l'énergie, ça y est? Ah, du coup toi, connecté. Pourquoi tu veux pas connecter à elle? Ah, elle est pas finie elle. Ah oui, effectivement, si je la finis pas, ça a posé problème. Alors je dois revenir là-haut. En fait, c'est peut-être pour ça que l'autre n'arrivait pas à se connecter. C'est pas que voilà, voilà, c'est bon, c'est pas que j'étais trop loin, mais bon, de toute façon je pense pas que un seul générateur aurait suffi. Et toi? Ouh, sinon ce que je peux faire, c'est que j'aurais pu en mettre un seul là-haut de ça. Alors je vais essayer. Pas te mettre là. Non, j'aurais pas pu. Ok. C'est pas grave. Alors maintenant je vais aller chercher ce dont j'ai besoin pour alimenter en énergie. Je
commence à être à court de fer et de charbon. Ça c'est beau, on a encore un réglage à faire. On a dit qu'on allait... vers là-bas. Ok. Bon. Ensuite, j'espère qu'il va fonctionner. J'ai besoin de... ouais. J'ai besoin d'une imprimante. Je vais avoir besoin d'une armurerie. Et on va les poser tout de suite. Espérons que j'ai ce qu'il me faut. Donc l'imprimante, on va te poser juste là, à côté. Voilà. Je peux même poser, effectivement, on m'a dit de le mettre dans les commentaires, ça. Répartiteur d'éléments. Qui va me permettre de téléporter les éléments dans l'imprimante, dans mon inventaire, si je suis dans le rayon. Ok. Voilà, ça c'est alimenté. Maintenant, je veux ici mon armurerie. On va te mettre là. Ok. Ouais, j'aurais peut-être préféré mettre mes coffres. Ouais, on va te démonter. Je suis désolé, l'armurerie. On va mettre les coffres là. L'armurerie va être ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir améliorer mon jetpack et tout ça. Jetpack qui me manque... ça, pour ça, il me faut du carbone et du silicium, donc vous voyez, ça va pas être trop cher. Bon, on le fera plus tard. Là, je suis vraiment en train de préparer. Et on va mettre le poste de pilotage. Je vais peut-être devoir retirer ce que j'ai mis là. On va voir. Alors, poste de pilotage. Où est-ce que tu es, du coup? Tu es là. À 3 x 3. Ouais. Donc ça c'est trop grand. À moins que je le mette juste là et que je ferme. Non, ça va pas être bon. On va vous retirer. Ok, on va poser plutôt des blocs. Plus léger, ça me coûte un peu plus cher en course, mais c'est pas grave. Donc plutôt du 2 sur 2 pour le poste. Ah, du 2 sur 3. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais bon, ok. Et hop, hop. Et je suis dedans. Bon, je vais quand même te peaufiner un peu. Ah, ça peut être pas trop. C'est un peu bizarre. On l'améliorera après. Hein. On arrondira, on mettra des vins. Alors par contre, du coup, ce qui est dommage, c'est que vous voyez, je peux pas. Je retombe en fait. Peut-être que je vire ça et ça, et que je mette des portes et que je mette en fait une petite plateforme pour monter. Bon, c'est pas grave. Maintenant, si je retire toi. Moment de vérité. Oups, je fais un trou. Ça a pas l'air de tomber, ça a l'air de supporter le poids. Ça a l'air pas mal du tout. Je vais peut-être devoir mettre des batteries pour avoir de l'énergie d'urgence.
Tu tournes dans... Tu tournes du côté gauche. Tu tournes du côté droit. Comment j'accélère? Ça ne veut pas bouger. Pas assez d'énergie. Faut peut-être des batteries. Peut-être ça, ça marche pas si ça alimente, ça alimente directement. Pourquoi tu veux pas bouger? Elle bouge quand même. C'est juste que ça va être trop lourd en fait. Donc je vais rajouter peut-être des pneus. Ou peut-être durcir ça. Ah ah! Ah bah ça peut être ça tout simplement. Pourquoi tu restes suspendu? Toujours pas. Ouh, ça m'inquiète un peu. Pourquoi tu voles toi? Pourquoi ils sont volés? Je lui ai pas dit de voler. Extreme temperature warning. Extreme temperature warning. Ah voilà, oui, en fait il y avait un petit coin, ouais, j'ai dû creuser. j'ai eu peur, je me suis dit peut-être que d'avoir utilisé la base là faisait que ça ne fonctionne pas. Alors. Ok, déjà je pense qu'il y a un problème avec les suspensions. On va y aller. Il faut des suspensions dures, apparemment. Je sais même pas s'il me faudrait pas plus de roues, en fait. Parce que là... Ok. Je vois pas grand chose. Je vais faire un petit chemin pour sortir. Si je fais ça, ça va aider, je sais pas. Ah, j'ai plus de plaques. Pas grave, ok. Alors de l'autre côté. Oh là là. Ça a bougé un petit peu, mais c'est pas suffisant. Bah, je vais devoir dans l'épisode suivant. Dans l'épisode suivant, on va devoir tenter de le sortir de là. Alors, j'ai une idée. Je vais peut-être utiliser le treuil pour tirer le bâtiment. Est-ce que je le ferai là? Non, on le fera dans l'épisode suivant. Voilà, allez, cette surprise, est-ce qu'on va réussir à le faire fonctionner ou pas? Ah, ça me fait marrer. Puis après, alors j'en suis où de pouvoir le faire voler? Moteur à suspension? Ouh, j'ai déjà le truc qui permet de flotter. Ce système permettant au véhicule de pouvoir stationner et se déplacer à quelques mètres au-dessus du sol. Plus efficace sur un terrain plat ou sur l'eau, nécessite alimentation. Ouh, bah déjà j'ai ce qu'il me faut et j'ai le moteur aéronave. Alors je pense que je vais donner un petit coup de main à mon vaisseau avec les moteurs à suspension dans l'épisode suivant pour le faire voler. D'abord on va essayer avec le treuil, puis après avec ses moteurs, et on va voir ce que ça va donner. Mais waouh, n'empêche, c'est une vraie base, c'est un vrai tank là. Bon, après il y a beaucoup de points faibles, mais c'est pas grave. Hop. Alors on a encore d'autres choses à faire. Il faut que je fasse un lit. Ferme-toi. Ah voilà. Il faut que je fasse un lit et peut-être d'autres... de la nourriture, voilà, et tout ça, mais je suis assez fier, là. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, bye bye.